Épisode 4 de notre Olympiade. Bonjour à tous. Wow. Bonjour. On s'est dit 4 fois bonjour aujourd'hui. Et c'est toujours pas un bonjour. C'est ça qui est fou, hein. J'ai avalé de l'air. C'est normal, non? Ah oui. Ah oui, pardon. Origami Royal. Allez. On a vraiment plus d'idées. On avait déjà fait le puzzle qui n'était pas non plus une des plus grandes idées du siècle. On a encore une petite activité manuelle aujourd'hui, on espère que tu vas rester quand même. Tout le monde sait que c'est pas là-dessus que je vais être le plus fort. C'est manuel, c'est un petit peu enfantin, un petit peu artistique. Je n'ai jamais réussi de ma vie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai redoublé 4 fois ma maternelle. Nous avons Alaya qui est là. Brie. Brian. Toujours Brian, ouais. Hein. Toujours là, mais sans mes jambes. Parce que pour les gens, il y a eu plusieurs jours de repos par rapport à la sortie de vidéo, mais toi non. Raven, coucou. Qualifié au dernier moment, il s'est fait peur là. J'ai très très peur, ouais, une grosse frayeur, mais bon, on est là. Guillaume, pour l'instant, serein. Ça va, j'ai fait une patate. Eh, c'est une chaîne d'humour, hein. Camille. Salut, j'ai super chaud. Camille qui a pas tremblé sur les abdos, bravo. Alex. On sait pas ce que je fous, hein. La machine. Oh, il court avec ses phrases là. Il a le cœur sur la main. J'ai le cœur sur la main, c'est très bon ça. Vincent qui est là. Solide pour l'instant, pas tremblé non plus. Ben qui est là. Ben qui a fait une très belle planche. La machina, comme on l'appelle. Effectivement, on appelle la voiture. Et Fred, l'ancien finaliste, vice-champion. On dirait un joueur de poker. C'est vrai, tu trouves? Origami Royal, quel est le concept? Je sais pas ce que c'est qu'un origami, moi, donc. on me dit dans l'oreillette que Vincent a très très chaud. C'est l'oreillette ou c'est lui qui te dit? Dans mon oreillette, quand elle est petite, c'est une oreillette. On me dit que cette épreuve va jouer également à la chaleur. Beaucoup de gens suffoqueront, mourront et s'évanouiront devant vos yeux. On va donc avoir un pli à faire, en gros. En japonais, c'est la science du pliage, comme on l'appelle. C'est des lunettes de soleil qui appartiennent à Alaya et qui ne protègent rien du soleil. Voire même, ça attire l'UV. Ouais. Et donc, on va plier nos petites feuilles de papier. Les couleurs sont aléatoires, vous prenez la couleur que vous voulez selon le dessin. Et vous devez créer la forme qui est indiquée sur votre tuto origami. Le premier qui réussit son tuto origami parfaitement lève la main, montre à ses adversaires en disant « j'ai fini » et il est qualifié pour le prochain épisode. Toi qui juge. Moi, je vais essayer un peu parce que j'ai peur de me faire chier sinon. Vous avez un petit feu de si vraiment vous êtes en avance, vous pouvez fignoler, faire des petits dessins. Je m'en servirai pas. Là, je vous donne un premier dessin. On retourne tous en même temps. Est-ce que c'est une chanteuse française? Pour savoir si c'est l'origami. Ah, Laurie. D'accord, par rapport à la chanteuse. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, ouais. Premier dessin, vous allez retourner copier, découvrir le dessin. Ça prend un peu d'avance, attention là. Ouais. Oh, ben, oh. Allez, c'est parti. Ah, ouf, ouf. Oh là, je sais même pas dans quel sens. Ça. Ah, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de temps de dessin. C'est un maximum serein. On est ici sur un pli rond 2. J'ai terminé. Je fais juste les petits yeux et regardez. Mais c'est pas vrai. J'ai terminé. C'est ce petit chien qu'il faut faire. C'est fait. C'est fait pour Benjamin Marika. Impressionnant, il a fait le dessin. Je suis super content. Je suis super fier de moi. Pourtant, c'est claqué au sol. Mais je suis super content. Mec, t'es hyper rapide. Mais merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un origami. J'ai vu le mouvement plier la feuille et là, j'ai tout compris. À partir du moment où j'étais comme ça, j'ai tout compris. Bravo! Quelle masterclass! Pour l'instant, temps de présence sur les Olympiades, 2 minutes 30. Tu peux même les continuer tant que t'es qualifié, mais tu peux. Allez. Si tu t'amuses. Fais-toi plaisir! 3, 2, 1, on tourne! Oh là là, je comprends rien. J'ai pas compris le sens de la feuille, c'est que ça dit. Voilà. Ah, mais y'a même pas d'indication. Je sais même pas faire un avion en papier, moi, les gars. Ah, elle est plus difficile celle-là déjà. J'ai aucune idée de ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Je suis claquasse. Non, mais j'arrive pas à voir. Moi aussi, ça ressemble pas au dessin, c'est normal. Peut-être passer l'étape de 100 ans. J'aurais bien aimé t'aider en tant qu'orig ami, mais je ne peux pas. Oh, il a tout le temps pour faire des vannes, je suis deg. J'arrive même pas à voir la finalité du truc. Oh là là, on a peut-être une victoire de Fred. Ah, à une seconde près, Vincent, il aurait pu, mais c'est Fredo. Je crois que t'es mieux que moi. Ah, mais je crois que c'est fait pour Fred. C'est bon, Fred. Gars, la transpiration là, Théma. Il fait chaud, hein. Faire goutte pour voir si c'est. Fred, qualifié. Bravo. Benjamin et Fred vont nous quitter. Ben n'est pas resté très longtemps, Fred non plus. Normal, on se retrouve la semaine prochaine. À qui le dis-tu? Alors qu'en fait, c'est dans une heure, même pas. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Maison Grise, ça se qualifie très très vite, attention. Ouais. Hein. Oh, t'inquiète pas, je vais rester un peu. Allez, je le sens bien celui-là. Pas du tout. Attention, c'est parti. Allez, go. Origami Royal, mais quelle création! Oh là. Je suis en difficulté dès le début, moi, hein. C'est fou. Hein. J'arrive pas, bordel! C'est quoi cette flèche? C'est tellement dur! Non, mais pourquoi il y a des flèches en éclair maintenant? Mais oui, mais je comprends pas. Je crois que c'est pas trop ça. Qui c'est qui s'est dit on va plier du papier et faire des formes? Oula, je comprends pas. Attends, moi je suis. Regarde le double pli là. Oh non, le double, attends, j'en fais qu'un moi. Oh, ma confiance intellectuelle là, qui s'évapore? Terminé. Bac plus 5 à la base. Hein. J'avoue, je tente un truc, je me dis que ça peut passer. Je l'ai. Les pieds et tout, non? Fais les petits yeux.
C'est fait. Bravo. Fait. Ah ouais, il est beau gosse. Tu veux le garder en souvenir à tout jamais? Allez, pour la vidéo. J'étais 100% au premier degré. Hein. 4 vidéos sur 11, let's go. Tu sais que j'ai pas fait plus de 2 plis pour l'instant. Je sens Alaya pas non plus sur ses appuis. Mais personne n'est sur ses appuis là. Mais si, vous aviez tous la forme du pingouin pendant que j'avais un avion en papier. Non, on n'avait pas tous. 3, 2, 1, c'est parti pour l'origami royal. Je vous rappelle ce c'est concept. C'est toujours pareil au début. C'est vachement de la logique quand même, je trouve, non? Mais ça va toi, eh? C'est vrai que les gros mots là, on essaie de pas être vulgaire. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est fini, mais ça ressemble pas à la forme. Il y a le bec et tout que j'ai pas fait. Hein. J'ai fini. Elle signe son œuvre. Oh non, j'étais pas si loin non plus. C'est un éléphant en fait. Non? Ça ressemble pas. Moi je vous présente ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Ah, c'est plus fidèle ça. Mais toi c'est un phoque. Il est pas fidèle. C'est un phoque. Il est bien. Et toi il a les deux ailes du même côté. Comment tu veux qu'il s'envole? Pour moi c'est quand même celui-là qui est très très fidèle. J'ai fait les deux yeux, regardez. De ce côté, et on a ici aussi. Allez, c'est emporté pour Avan. Un plaisir, je vous aime tous. Merci beaucoup. Sauf un, mais je dirais pas qui. Allez hop. On le sait très bien. Tu peux t'emprunter ta casquette? Un plaisir. Allez. Un plaisir à tous. Elle me va comment? Mal. Vous vous amusez? J'ai su, pas du tout. Les gens le savent, toutes les épreuves sont la même journée. C'est quand même une belle journée de centre aéré. Hein. Il y a Goûter Royal juste après. Le dernier qui finit le BNP. Moi, je serais pas qualifié. Tu vas pas perdre, Alex. T'as une magie avec toi. Là, t'es très chaud. Attention à Laïa qui a quand même été pas loin. Vincent, pas loin non plus. Camille, pas loin non plus. Il y a une finale qui se dessine. On est tous pas loin. Il y a quand même deux immenses favoris. Hein. Allez, un triangle à faire. Oh, oh là. Ouais, bah y a déjà trop de trucs. Je mets déjà pas la feuille dans le bon sens. Donc. Perso, j'y vais pas. On aurait dû nous expliquer avant ce que ça voulait dire, les petits pointillés et tout. Ouais, on n'a pas la légende. Hein. Mais j'arrive pas à plier un papier, c'est terrible. J'ai l'impression que la cinquième et la sixième étape, c'est juste rien faire. En vrai, je vais tenter de sauter des étapes. Moi, je vais tout donner sur le. Enfin. Je vais dessiner un cochon. Je sais pas dessiner. Moi, mon cochon, il a pas de pattes pour info. Mais moi aussi, j'arrive pas à lui faire des pattes. C'est un jambon, quoi. Ça ressemble à un cochon ou pas pour info? Non. Ok. Bah, j'arrête. Alex, tu me fais trop rire quand tu rages quitte. Fini. Bravo. Comment t'as fait descendre ses pattes? Eh oh, je vais pas donner des conseils à la concurrence. Vous voulez pas qu'on aligne nos cerveaux et on essaie tous ensemble avec un? Ça dépend quel cerveau. Hein. Je l'ai. Ah, il l'a dit avant. Oh là là, c'est fait. Yes. Personne n'y croyait, il l'a fait quand même. Je comprends pas comment vous faites, vraiment. Premier degré, je pense que je suis trop bête. En vrai, je veux pas. J'ai chaud, je fais une activité que j'aime pas. Bon courage les amis, que le meilleur gagne. Attention à l'élimination là. Je sens que je vais avoir mon week-end de libre moi. Attention, vous êtes prêts? Je crois que le prochain est plus simple. 3, 2, 1, on retourne. Attends, mais c'est quoi ces friches dans tous les sens là? N'importe quoi ces vagues là. Mais ça ressemble déjà plus, comment je fais? Putain, je me bats, j'essaye hein, mais qu'est-ce que j'y arrive pas? J'ai fini. Allez, fais les petits points, fais les petits points, je t'en prie. Ouais. C'est fait pour Camille LV. Bravo Camille. Elle est qualifiée sur une jolie coccinelle. Allez, on dégage, on enchaîne. Moi, je me concentre juste pour la finale avec Alex. Attention, je sens pas un gros niveau non plus là. Vous mettez en doute mon talent d'origameuse? Clairement. Origameuse. Oh. Pas mal ça. Allez, on réussit pas celui-là non plus. Allez, on fait toujours les deux mêmes pillages au début et on arrête. Oh là, le prochain, je vois des. Ouais, d'accord. Allez, il y a beaucoup trop d'étapes, mais wesh. Oh. Allez, let's go, on y va, on s'en fout. C'est pas les 15 secondes qu'on va gagner là qui. Attends, mais quoi? Mais j'essaye même pas. En fait. Mais non, mais attends, j'ai plus de feuilles. Pourquoi il y a des croix? Ça, c'est monstrueux ça. Plier comme ça, des croix qui se croient. Attends, mais regarde s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre ici? Attends, mais le dernier. Là, Alaya, faut vraiment que tu te battes. Mais ouais, mais. Parce qu'il y a que toi qui peux y arriver. C'est vrai. Bats-toi et après c'est Alex Guillaume et ça va être du génie. Ah bah après c'est le bonheur hein. Et pourquoi des fois il y a des prix mais après ça fait pas des prix, genre faut les déprier. Et pourquoi tu te poses cette question là que maintenant? Ça fait une heure que c'est ça le principe. Oh là là, le travail de cochon que je te propose. Attends, moi je déchire un peu, je triche. En général, quand vous devez forcer pour qu'un pli passe. Quand tu déchires le truc, c'est quand même bon signe. Hein. Si ça ressemble, mais pas trop, c'est bon ou pas? Je vais être clément. En vrai, je vais être clément sur celle-là. Attends, mais j'ai un truc, mais. Mais pas une grenouille. Moi, j'ai un toit. Ça ressemble pas du tout. Attends, tu sais que t'es pas loin, hein? Mais oui, je sais, mais. Ah, j'ai un truc. Non, mais non, en vrai, je suis pas loin, mais là, j'ai. À quelle étape t'es censé être? Je suis à 10. Moi, je vais vous dessiner Homer Simpson. Non, mais c'est trop dur ça, non? Enfin, c'est pas de notre niveau. Ouais, même Homer Simpson, en fait, c'est pas mon niveau. C'est à celui qui a l'étape la plus lointaine. Hein. En vrai, elle est pas loin, je pense. Vas-y, Alaya. Mais oui, elle a tellement, mais ça ressemble. Je la vois déjà sauter, sa grenouille. Ah oui! Bah non. Suite aux troubles physiques et mentaux de tout le monde, on va réimprimer des trucs plus faciles. On va faire celui-ci en attendant pour avoir notre finale, parce que celui-ci, si vous y arrivez pas, c'est quand même un scandale. Okay, c'est bon? Allez. Ça va être une histoire de rapidité. Non, ça va pas être une histoire de rapidité. 3, 2, 1. Attends, moi j'ai pas de feuille. Ah, donc là, je suis quand même pas bien. Ah, il a l'air facile en tout cas. Il a l'air atteignable.
Ah, mais en parade, ils nous font des feintes. En vrai, Thomas, tes feuilles, elles sont trop petites. Il est pas grave, mais les feuilles, elles sont vraiment petites. Mais je crois que c'est les feuilles officielles de origami. Hein. Hop là, j'ai fini. Fais les petits traits, fais les dessins. Regarde, mon chat. Elle avait fini le pli avant. Elle a fait le petit dessin pour la déco, mais Alaya avait fini. Ah, je m'en fous, j'ai plus ou moins. J'ai réussi à faire un chat. Plus ou moins. Alex, on a réussi notre truc, c'est bon. Ben moi, je m'en vais. C'est bon. Du coup, j'ai gagné. Bravo, Alaya. Ouais. Bravo. Enfin, bravo. Enfin, s'enflammer non plus. Hein. Bon courage pour la suite. La finale tant attendue. Ah, bah les deux favoris. Hamilton Verstappen. Bah, Doug Federer. Mais par contre, je vais te faire une pause parce qu'on doit vous imprimer des trucs de niveau 3 ans. Vous savez que t'es énervé à chaque fois. Ça fait du bien. Je le dis, ça fait du bien quand même. Par rapport à Lego. Et moi, je vous montre un tuto dessin envers Simpson. Il est horrible. Dégueulasse. Si Alex me qualifie encore là. Mais c'est sûr, je suis de loin le moins bon. Hein. La couleur de la défaite sera celle-ci pour info. Oh, le face à face. Oh là là. Les légendes en face. Les légendes manuelles. Alex, champion en titre de l'Olympiade. Ça se voit pas trop, mais. Qui a peut-être maintenant une occasion d'être éliminé. Guillaume, qui avait fait quoi d'ailleurs? Il s'est arrêté où la dernière fois? J'avais fini quatrième. Just Dance avec lui qui était dansé comme ça. Messieurs, à vos plis. Ah, j'ai pris un envers déjà. Attends, je suis genre en panique. Le gagnant avec le dessin terminé cette fois. Ah, j'ai pas la logique. Non, c'est ça. Bah, j'ai eu. Oh, il va l'avoir. Oh là là. Oh, l'élimination. Oh, l'élimination de Guillaume. Et Alex qui s'en sort encore comme un voleur. Comme d'habitude. Bravo. Bravo. J'ai colorié la table en même temps. Et le public qui est là. Colorier, il nous a ruiné un rideau. Waouh. Pas de surprise finalement. Alex à l'arrache. Finalement, c'est mérité. Par contre, il a vraiment fallu vous faire des origamis à 4 plis pour que vous puissiez finir. J'ai jamais fait plus de 4 plis pendant toute l'épreuve, donc c'est parfait. 3-5 ans, c'est marqué. Hein. Guillaume, tu le quittes? Bah, c'est comme ça. Parle-nous un peu de ta chaîne YouTube, tiens. Eh bah, écoute, elle va bien. Toujours pas de vidéo? Elle va bien, non, toujours pas. Mais t'as quand même. J'ai beaucoup d'abonnés, ouais, j'ai 130 000 abonnés. Ce qui est quand même bien un scandale. On rappelle qu'il y aura une vidéo, dès qu'il aura 500 000 abonnés, on sortira le court-métrage qu'on avait fait qui s'appelait Saut. Qui s'appelait Saut, une parodie du film. Ouais, avec un jeu de mots déjà. Alex, combien de braquages tu vas nous faire encore? Je rappelle qu'il a gagné aussi Koh-Lanta sur la chaîne de Lucas. Et pourtant, vous avez vu mon niveau en sport dans la vidéo d'avant. Eh ben, Alex, bravo. Bravo encore. Félicitations. Alex. Origami fini. On retrouve toute l'équipe, sauf Guillaume, dans quelques jours. Tu peux sur cette chaîne. L'Olympiade Royale continue. Merci beaucoup. Ciao, ciao.